Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de The Witcher 3. Nous sommes partis pour la quête, la geste de Ciri. Donc après avoir fait la quête, les Dames des Bois, enfin, Dames des Marais, je sais plus trop bien. J'ai encore foiré, je pense, hein, parce que j'ai encore fait un mauvais choix. Et donc nous sommes retrouvés dans le corps de Ciri après avoir quitté le village des orphelins du Marais de Torséchine. Donc qui s'enfuit des Moires qui voulaient la bouffer. Enfin une partie, du tout du moins. Donc nous sommes partis, on va essayer de faire ça, on va bien voir ce que ça vaut. Ah, ça a l'air d'être bien. T'es le Nazgûl. Attends, c'est... Ouais, c'est la Nazgûl, hein. C'est le roi ou bien... Putain, j'ai un doute maintenant. Je me suis posé la question, les Nazgûl, c'est plus les montures que les... Non, c'est... il me semble que les Nazgûl, c'est les... Oh, je peux peut-être me tromper, j'ai parfois des trous comme ça. Donc ça, là, théoriquement, ce qui se passe, c'est après avoir fui avec le magicien qui s'est fait tuer juste après Kira. Il me semble que c'était ça. Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de la jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Ouais. Baston. Vous avez voulu la tuer. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tu gâches ta salive. Nos destins sont liés, c'est vrai. Mais l'heure de la confrontation n'est pas encore venue. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras. Mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra. Oh, je vais lui. Elles sont vraiment dégueulasses, je vous le dis. Dégueulasses de chez dégueulasses. Bon, c'est pas tout ça, mais... Donc ils ont buté les enfants, c'est ça, j'ai encore fait un mauvais choix. J'ai réussi à faire... Manquait plus que ça. Ouais, c'est ça, je pense qu'elles ont bouffé, elles ont buté les enfants. Oh, les pauvres, et merde, j'ai encore... j'ai encore complètement foiré. je voulais pas que ça arrive une histoire comme celle avec la peste, que j'avais vue avec la pesta. Je voulais être gentil avec l'esprit. Et du coup, je me suis dit, non, là, je veux pas être gentil avec l'esprit. Je veux pas me faire avoir une deuxième fois. Après, je me suis fait avoir comme un con. Bon, ben voilà, écoutez. Hein. Bon, allez, on va finir cette histoire d'affaires de famille. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui tarde depuis pas mal de temps. Au moins, on a retrouvé la femme du baron. On va pouvoir aller rendre ça. Il y avait un truc avant. Où est-ce qu'il est? Là. On va aller rendre une petite visite au baron et puis ça nous fera la fin de l'affaire de famille, hein, du coup. Alors, est-ce qu'elle est... Ça doit être là quelque part, non? Putain, il est où le... Ah, là. Ben, évidemment, il n'y a pas un putain de truc dans le machin. Alors... qu'est-ce que c'est que ce boxon? Où est-ce qu'il m'a TP? Ah putain, j'ai pas pris le bon.
Ah, attendez, bougez pas. Bougez pas. Alors, voilà, c'est bon. Galop, Ablette. Ça, je vais pouvoir aller rendre le machin. Ah, ça fait du bien que ça s'arrête, la pluie. T'as la tranche de quelqu'un qui s'est... Il est là ou pas? Faut combattre le mal par là. C'est ça, oui. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? Joue au Gwent. J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord. Rien de plus. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein? Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Peu importe ce que je peux penser. Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs. Mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. Avec Anna... Ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ankor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson. À tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie. Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant, Kana restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi. Pour l'amour que je lui vouais. Comment l'avez-vous su? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rute. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse au chien.
Je vois qu'on ne vous appelle pas le Baron Sanglant sans raison. Quoi ? Votre surnom, il prend tout son sens. Non, il est lié à une toute autre histoire. Ah bon ? Putain ! J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses ? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux ? Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a une crise d'hystérie pour elle, et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Oh yeah! Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire ? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières ? Quel foutu cauchemar ! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Se risquer dans le marécage, même à la tête d'hommes armés, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ces Moires plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je vais pas rester sur mon cul à attendre. Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence ? Probablement pas. Mais je suis sorceleur. Et moi, un père et un mari qui a bousillé sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. À parole donnée. Où en étais-je déjà ? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. Petit chargement. Notre dernière heure arrivée. Attention ! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la forteresse. Vous survivrez. Psst ! Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. On va s'arrêter ici, les amis, parce que du coup, ça repart sur une autre vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit commentaire et bientôt pour la suite. Allez, à plus tout le monde. Salut.